No, God! No, God, please, no! 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 Salut, petit con! Alors, comme ça, on va savoir comment Xander est devenu le grand Triple X. T'es sûr que t'es prêt à entendre ça? Alors, viens là. Tout se passe dans un monde étrange, cette période où on considère encore que les Russes étaient les méchants alors que le mur s'était effondré 13 ans plus tôt. Alors qu'il est en mission pendant un concert de Rammstein. Un agent américain se fait buter par des Ruskovs et a en plus un petit vol plané au-dessus du public. Le gouvernement américain décide alors, au vu de cet échec d'infiltration, de recruter des mecs comme moi. Des gars un peu fous, fans d'extrême et un tantinet antisocial sur les bords. Et c'est là que je débarque dans l'histoire après avoir tiré une de ces caisses pas comme les autres. Crève les yeux que c'est pas la mienne, c'est pas du tout mon style. C'est celle de Dick. Dick Hotchkiss, sénateur de l'état de Californie. Avec laquelle je fais un sacré vol plané au-dessus d'une rivière. Alors que ma copine organise une soirée pour fêter ma super cascade, la police débarque parce qu'on fait trop de bruit, je pense. Ok, ok, je vais baisser le volume. C'était qu'une corvette. Et là, je me réveille dans un bar de merde au milieu de n'importe où. Mais rapidement, je me rends compte que tout cloche pour réaliser qu'en fait... C'était un test, Monsieur Cage, et vous avez cartonné. Et là, on décide de me faire passer un autre test. Mais en Colombie. Dont je me sors indemne par miracle. Et là, on me demande de partir me cailler les miches en Russie pour me faire bien voir d'une espèce de bobo anarchiste de mes couilles persuadé de pouvoir changer le monde. On m'envoie alors sur place où je suis persuadé que je vais me faire niquer en 2 secondes. Heureusement pour le coup, je me fais pas gauler sur place car ces gardes du corps me connaissent. Je le savais. C'est incroyable. Et alors que je pense avoir fini, on me demande de rester. Quand vous voulez envoyer quelqu'un sauver le monde, assurez-vous avant qu'il y tient à ce monde. Sans compter qu'on me fout entre les pattes un espèce de cul du pauvre en mode couche pour bébé. Permis de tuer, mort, destruction, carnage, avoir un automatique sous l'oreiller, ne jamais savoir quand la vermine va tomber dessus et BAM hey d'accord. On conclut 2 ou 3 affaires avec le russe, on boit des shots, et là le mec avec un accent russe à couper au couteau m'explique son histoire d'anarchie. Ils sont morts pourquoi? La politique? Quelle politique? Pas la nôtre. Alors on a décidé depuis ce jour-là de faire tout ce qu'on voulait, quand on voulait. Bla 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 bla. Bon là j'essaye de me faire bien voir pour me rapprocher de sa petite amie. Une petite Ruskov plutôt sympathique. Et elle a un caractère bien trempé la coquine. Mais avant, je décide quand même de profiter des joies de la mère patrie. Qu'est-ce qu'ils vont pas faire pour son pays? Le lendemain matin, je chope ma petite amie russe en train de cambrioler le coffre-fort de notre grande caricature soviétique. Je n'ai pas besoin d'excuses. Bonne. Mais pas si bonne que ça. Je l'invite alors au restaurant pour lui raconter ce que je suis en vrai. Mais ça n'a pas l'air de la convaincre. Ah, tu es trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a si drôle ? Et alors que notre ami soviète vient d'apprendre qui j'étais réellement, on parvient à s'enfuir. Et là, mon boss me demande de me retirer de la mission. Bordel, y a personne qui me retire de quoi que ce soit quand je suis lancé. Je décide alors d'infiltrer la base de mon ami soviétique, où j'y découvre un sous-marin capable de décimer toute une population en 2 secondes avec une bombe chimique de merde. Genre lumière bleue, lumière verte style quoi. Et comme le connard qu'il est, mon soviète d'amour bute tous les scientifiques ayant bossé sur le projet. Et alors qu'ils viennent de me repérer, je m'enfuis en mode badass des familles. Style Fast and Furious quoi. Attention, saut devant. Vu que je trouve que le film devient un peu trop intelligent ensuite, je décide de me faire une petite descente de montagne en mode avalanche. Rien ne vaut une bonne poudreuse. Mais mon très cher soviète revient encore à la charge et parvient à me choper. Bordel, moi et les soviets, ça fait 2 dans ce putain de film. D'autant plus qu'après, j'apprends que ma chérie russe, bah c'est une espionne de la mère patrie. Alors que l'on parvient à s'échapper, notre ami soviète décide de programmer sa petite bombe pour dégommer Saint-Pétersbourg. Au boulot, ma puce.
Et de mon côté, je décide de passer à la vitesse supérieure en dégommant les fumeurs à coups de lance-roquettes. Cet enfoiré est en train de fumer. Tu avais dit que la clope aurait sa peau un jour. Et alors que notre cher ami commence à partir, je décide de tout faire pour le dégommer, quitte à me faire écraser les couilles. Et alors que le sous-marin se dirige vers la ville, moi et ma chérie, on décide de le courser en bagnole. Sur le chemin, on dégomme 2-3 patates. Vire, bordel ! Puis on arrive en ville. Et puisque je veux me la péter, je me la joue héros américain en puissance. Je sors le harpon et le parachute. Parce que ça va être une putain de cascade ! Une fois sur le sous-marin, j'essaye de me la jouer Jimmy Neutron, avant de m'en battre les couilles et de faire directement exploser ce putain de sous-marin. Bienvenue sur le territoire de Xander! Et alors que tout le monde commence à préparer mes funérailles, comme je suis un connard de héros américain, ben je sors de l'eau en mode normal. Bora, Bora. Et c'est ainsi que je finis par me taper ma petite soviette sur une plage au soleil. Dire qu'à la plage j'aurais pu continuer à voler des voitures de sénateurs, mais à la plage je dois aider mon pays. Chacun sa tare. Bon par contre, vu qu'on est entre nous, là je peux te dire quelque chose. Je sais bien que t'as pas le budget pour acheter mon DVD, ou même pour aller voir le film au cinéma, mais évite de taper le nom de mon film sur la barre d'internet. Parce qu'on sait très bien sur quoi tu vas tomber ensuite. Et puis après ta mère va te gueuler, même ta petite sœur ou ton petit frère...